Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo سابق كان حول الاعداد les adjectifs cardinaux. الرابط نخليه لكم في الاسفل في صندوق الوصف. وبالنسبه لهذا الفيديو سيكون بحول الله مجموعه من التمارين لتثبيت المعلومات السابقه. Donc, on commence par ce petit rappel. نبدأ بتذكر ما تعلمناه في الفيديو السابق. Donc, la première notion هي أنو les chiffres sont des adjectifs. وشنو هي la classification des chiffres؟ نعتبرهم صفات. C'est pour cela نسموهم الصفات العددية. Donc, les chiffres sont des adjectifs. Qui dit chiffre dit adjectif. Voilà. Notion numéro 2, un chiffre, c'est un seul élément, d'accord? معناتها الرقم هو عبارة على عنصر واحد. كاين وين نقولو un chiffre ou كاين un nombre. Donc, il y a une différence, كاين فرق. Un chiffre معناتها الرقم, exemple 3, et un nombre, c'est à partir de 10. يعني مجموعة من الأرقام ونسموه العدد. La troisième notion, c'est bien la règle de l'accord des adjectifs cardinaux. Quand est-ce qu'ils s'accordent en genre et quand est-ce qu'ils s'accordent en nombre? وشنو هي الحالات اللي راح نضيفو فيها le S ou bien le E? Très bien, donc voici la règle. Les adjectifs cardinaux indiquent le nombre. Ils sont invariables, sauf 1 qui fait 1, 20 et 100 qui dans certains cas prennent le S, lorsqu'ils sont multipliés et en fin du nombre. Tous les adjectifs cardinaux sont invariables, autrement dit qu'ils ne s'accordent ni en genre ni en nombre. يعني ما يتأثروا ni بالنوع ni بالعدد. Seulement 1, 20 et 100 s'accordent. 1 s'accorde en genre, féminin ou masculin, et 20 et 100 s'accordent en nombre, singulier ou pluriel. Donc c'est une règle assez simple. والشرح المفصل لهذه القاعدة تلقاوه في الفيديو السابق. نبدأ بالإكزرسيس de la page 14. Écris les nombres en lettres pour compléter le dialogue, puis lis avec tes camarades. Alors, المطلوب هو أنو نكتبو الأعداد بالحروف. Grand-mère, الجدة. Nous avons acheté 5 tickets pour entrer au manège du parc. يعني اشترينا 5 تذاكر للدخول إلى حديقة التسلية. Donc, j'écris 5 en lettres. C-I-N-Q. Grand-père, Al-Jad, le ticket coûte 100 dinars. سعر التذكرة هي 100 دينار. 100 s'écrit comme ça. C-E-N-T. Une petite remarque, ici on n'a pas ajouté le S parce que 100 n'est pas multiplié par un autre chiffre. Mais je donne le S parce que 100 ماراهيش مضروبة في عدد آخر. ياسين لو توتال اي 500 دينار. يعني المجموع هو 500 دينار. Est-ce que je dois ajouter le S ou non? Voyons la première condition. 100, elle termine le nombre, c'est-à-dire elle est à la fin. Et la deuxième condition, elle est multipliée par 5. Donc, ces deux conditions sont sine qua non, je vous les ai dit tout à l'heure. Et dans ce cas, on ajoute le S. Grand-mère, Al-Jadda, et voilà des marchands de jouets. Le marchand de jouets, huwa ba'i' al-lu'ab. Yassine, je veux acheter cette gazelle en peluche. Une gazelle en peluche, c'est-à-dire un jouet avec un tissu. يعني لعبة مصنوعة من القماش. Elle coûte 2000 dinars. Donc, سعر تاعها 2000 دينار. Ça s'écrit comme ça. 2000. Nariman, ce joli lion coûte 1000 dinars. Joli veut dire beau.
Donc, 1000, ça s'écrit comme ça. Youssef, ces jouets coûtent très cher. Yani, moi, il ne me reste que 50 dinars dans ma poche. يعني وأنا بقي لي فقط 50 دينار. J'écris 50 en lettres. Voilà. Nariman, ne sois pas triste. La takun hazin. Je vais te prêter un peu d'argent. سوف أعطيك القليل من المال. Voici un autre exercice. Complète selon l'exemple. أكمل كما في المثال. Donc, j'écris 70 en lettres. Voilà, 70. Ensuite, 80. Donc, 20, on a ajouté le S parce que les deux conditions sont remplies pour valider l'accord. La première condition, 20, elle est en fin du nombre. يعني راهي في نهاية العدد. Et la deuxième condition, elle est multipliée par 4. راهي مضروبة في العدد 4. Ensuite, 90. Ici, 20, on n'ajoute pas le S parce qu'elle n'est pas en fin du nombre. Et s'il manque une des conditions, malheureusement, l'accord n'est pas possible. يعني هنايا 20 ما راهيش في نهاية العدد. يعني يخص شرط من الشروط. Donc, on n'ajoute pas le S. ما نضيفوش ال S. Ensuite, 300. Ici, on ajoute le S parce que 100 est multiplié par 3 et aussi elle est en fin du nombre. Pareil pour 700 et 900. Donc, ici, on a ajouté le S parce que 100 est multiplié par 7 et elle est aussi en fin du nombre. راهي في نهاية العدد وراهي مضروبة في الرقم 7. Pareil pour 900. 100 est multiplié par 9. راهي مضروبة في الرقم 9. Et elle est en fin du nombre في نهاية العدد. Le deuxième exercice. Écris les nombres suivants en lettres. اكتب الأعداد بالحروف. 23 élèves. On n'ajoute pas le S parce que 20 n'est pas en fin du nombre. ليست في نهاية العدد. Ensuite, 18. 86. Donc, 20 n'est pas en fin du nombre. On n'ajoute pas le S. 180 km. 100 n'est pas en fin du nombre. Donc, on n'ajoute pas le S. Par contre, 20, elle est multipliée par 4. Et en fin du nombre, on ajoute le S. 31, ensuite 42, ensuite 225, et si 100 n'est pas en fin du nombre, on n'ajoute pas le S, et enfin 600, multiplié et en fin du nombre, on ajoute le S. لحقنا لنهاية الفيديو. ميرسي بوكو بور فوتر ايكوت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا من الغافلين. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد.